Allez, la suite et la fin de l'émission Regard Croisé avec nos chers invités, Firmé Teko Agbo, Sana Vuel Komla, Sadio Itou et Prosper Agboklou. Avant de parler du Togo et de la déclaration, Debian continue notre voyage au pays du président Simi Gota qui reçoit le projet de la nouvelle constitution du pays. Firmé, vous chutez et puis on retrouve oui, Sana. Je chute parce que c'est un homme. Une grande personne qui n'affiche pas de valeur qui puisse m'inspirer. Ah bon? Oui, il n'affiche pas de valeur qui puisse m'inspirer. Tout d'abord, c'est un criminel constitutionnel, un homme violent, c'est-à-dire que quand on fait un coup d'État, vous voyez, imaginez, il n'a pas eu de diffusion de ça. Oui, quand on fait un coup d'État. Il a déposé un président. Oui, vous imaginez. Il a dit, il fait de la pagaille. Oui, c'est de la violence. Non. C'est de la violence. Il n'a pas tué. C'est de la criminalité constitutionnelle. Moi, cet homme-là, en réalité, il me fait peur. Ah. Si on lui confie les destinées de toute une nation, moi je me dis, mais comment sera l'éducation des enfants? Vous placez à la tête d'un État un violeur des tests constitutionnels. Mais qu'est-ce que les enfants pourront apprendre, pourraient apprendre de cet homme-là? Moi, à mon sens, il est dangereux pour la République, il est dangereux pour l'histoire de l'Afrique, il est dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Alors, là, mais moi, je sais une chose, il tombera un jour. Firmé dit que Assimi Gota a un problème particulier avec la France. Bon, on a l'impression qu'il a, lui, un problème particulier avec Assimi Gota. Hein. Forcément, mais je crois que ce sujet n'intéresse personne, hein, parce que vous savez, ce qui est dommage, c'est que chaque fois, nous sommes obligés de nous définir, non pas vis-à-vis de nous-mêmes, non pas vis-à-vis de nos ressources, non pas vis-à-vis de nos réalités, mais pour se définir, on est obligé de se définir vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis de la France. Et ce serait vraiment dommage. Donc, puisque sur ce plateau, les intervenants, en parlant de projet de la nouvelle constitution, on n'a pas dit que ça a démarcation par rapport à la France. Non, je crois que si l'objet d'une constitution est de prendre ses distances de la France, ce serait bien dommage. En tout cas, pour le cas malien, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas... Expliquez-moi. Vous savez, on ne va pas se perdre dans ces méandres. Hein. On est dans un sujet, on est une chaîne internationale. Et la constitution d'un pays, ce n'est pas le document qui définit la politique de développement. Ce n'est pas un plan de développement pour dire que c'est cette constitution qui va développer le Mali. La constitution d'un pays, ça organise les pouvoirs. Ça définit le cadre institutionnel. Les pouvoirs, les droits, les obligations, etc. C'est ça qu'on appelle la constitution. Ce n'est pas une... Laissez-moi développer, sinon vous allez louper l'explication. Vous n'allez pas comprendre. L'explication est importante. Donc, ceci dit, si que M. Assimi Goïta soit l'homme providentiel, l'homme à féliciter, ou bien l'homme à avoir ses effigies dans nos chambres et dans nos poches, selon Prosper, ou bien l'homme à fuir, selon M. Firmin, ce n'est pas ça le cas. Il ne faut pas réduire le problème du Mali à ces considérations-là qui sont en deçà des attentes des Maliens. Le problème malien, c'est un problème sécuritaire tout d'abord. Je ne crois pas et je ne pense pas du tout. Alors là, cela veut dire qu'on ne comprend rien dans la situation malienne. Ce n'est pas la constitution malienne, celle qui vient et celle qu'on veut changer, qui a créé la rébellion. Ça, c'est elle qui l'a créé. N'est pas la... C'est elle qui a demandé alors, le fédéralisme. Alors, ça vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'on laisse, on laisse ce qui est essentiel. Donc, c'est cette nouvelle constitution-là qui va mettre fin Si vous l'avez loupé, bien avant l'indépendance, le problème Touareg existait au
Mali. Mali. Et voilà, donc, monsieur, allez consulter l'histoire du Mali. Oui, je dis. Il y a eu. Vous savez, on dit ça souvent, qu'il paraît que les Français ont refusé. Vous savez, quand vous êtes le premier garant. Les Français n'ont pas démenti. Mais laissez-moi développer. Vous savez, quand vous êtes garant d'un accord de paix, je veux parler de l'accord de paix d'Alger. 2015. Quand vous êtes garant d'un accord de paix et que tout le monde est unanime à dire que ces accords de paix ont toujours été violés par l'armée malienne. Et justement, laissez-moi développer au moins. J'en viens à la même conclusion que vous. Mais si vous ne me laissez, vous ne comprendrez pas cela. Et on comprend aisément que c'est peut-être dans la défense du respect de cet accord de paix-là que parfois il y a des entraves au déplacement des forces armées libyennes et maliennes. Cela, les Français ne l'ont jamais nié. Donc il faudrait que l'on ne tire pas les choses de leur contexte pour en faire un scandale, mais situer le tout dans le contexte où il était. Mais ce que moi, je tiens à dire encore, que le problème du Mali, c'est vraiment profond. Et ce n'est pas cette constitution-là qui va mettre fin au groupe armé terroriste, qui va mettre fin à leur soutien logistique. C'est surtout ça le problème. C'est pour dire que moi, c'est la paix au Mali que moi je souhaite. Laissons ces histoires, ces propagandes populistes, tout ça là, et c'est l'homme qu'il faut, la France. Non. Le problème du Mali, c'est un problème de paix. Comment sécuriser le pays? Comment apporter la paix dans le pays? Comment développer ce pays? Parce que moi, ce que moi j'espère et que moi je veux voir, excusez-moi, en Afrique, c'est que, comme je l'ai dit, nous puissions avoir des alternatives locales par rapport aux solutions que nous importons. Je veux qu'on nous dise que au Mali, par exemple, on a créé, ou bien le Mali a su développer une technologie pour affiner son or. Je veux apprendre que, par exemple, le Togo arrive, à partir de ses propres moyens, à produire des engrais à partir de son phosphate. Je veux apprendre que, par exemple, le Burkina, au lieu de faire venir des sociétés canadiennes pour affiner, pour extraire plutôt leur or, ont des industries extractives 100% capital et technologie burkinabé. C'est ça le développement de l'Afrique. Laissons ces affaires de France, on a changé la langue. C'est-à-dire, tout ça, là, c'est du matin vu. On veut du concret. Ça, là, c'est pour séduire les passions, excusez-moi, des gens qui sont dépourvus de capacité d'analyse. Le vrai développement, c'est de créer des solutions locales. Parce que notre problème, c'est que nous dépendons des gens. Et si les gens nous imposent leur desiderata, c'est parce que quand vous me sollicitez pour ça, alors moi je veux ça. Si vous voulez que moi, mes militaires viennent vous aider, ou bien mes militaires vous aider, je veux ce quota de ça, donnez-moi ça. C'est ça qui crée, c'est ça le néocolonialisme. Je vous donne maintenant le temps de réagir. Non. Pour une fois, créons des solutions pour nous développer la place de la langue française. Je voudrais dire à Sana. Il a cité un certain nombre de comment on appelle il a commenté un certain nombre d'aspects dans lesquels végètent les Africains. Et sauf que il ne nous a pas dit les sources. Et ce sont ces sources-là. C'est la solution, mais pas du tout la source. Oui, les solutions. On ne peut jamais guérir. Bon, c'est la France, c'est la source. Quelle est la solution? Mais je vous dis, c'est la France. Macron est où aujourd'hui? Donc vous voulez que le discours que Macron vous ne voulez que pas que Macron vienne maintenant en Afrique. Mais je dis les Africains disent. Il reste chez lui en France. Il est en train de nous dire que les problèmes africains doivent être solutionnés parce qu'on a trop le regard fixé sur
X. Mais le X que nous regardions là, nous disons maintenant on change de paradigme. X reste chez toi. Le Burkina dit, armée française, rentre chez toi. Qui a demandé à la France de... C'est la France qui vient implanter ses bases militaires. Dans les accords, regardez les accords qu'on a signés. Les accords que la France vient signer sont des accords, je dirais, automatiquement, qui met l'Afrique dans l'esclavage. Alors, maintenant, prospère, écoutez, une question moi, à vous. Une question à vous. Oui. Pour les bases militaires, pour les forces armées françaises, on peut comprendre. Quand on prend par exemple le Burkina Faso, les militaires sont partis. Est-ce que le Burkina Faso, sur d'autres plans, peut fonctionner aujourd'hui sans la France? Vous savez, sur le plan culturel, sur le plan économique, par exemple. Ce que vous avez dit, je voudrais vous dire, c'est juste une question. On a eu 400 ans d'esclavage. Et vous pensez que, en un clin d'œil, tout ce que cela a mené à comporter comme problème, on peut les résoudre après tout ce sont des choses. C'est un bon début. Maintenant, on dit. Macron est où? Je vous ai posé la question. Il est actuellement à Libreville. Après, il ira au Congo. Un discours flatteur, un discours, je dirais tout simplement, catastrophique la dernière fois pour dire aux Africains. Quand est-ce que vous avez vu un bourreau qui vient négocier avec, c'est-à-dire le loup, qui tombe dans un puits, qui demande à l'agneau de venir l'aider à sortir, qui ne le mangera pas? Mais ça, c'est absurde. C'est ce que moi, je refuse. Nous disons que ça dit que la France recule. Vous qui dites ça. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. D'accord. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis africain. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que tu ne continues pas à vivre l'esprit. Non. Vous, vous êtes un peu bourré dans votre tête. Non. Vous savez, moi, je suis pragmatique. Le pragmatisme, c'est plutôt ça. Non, pragmatique. Pourquoi est-ce qu'on a dit? On a dit. On va se faire écouter. Vous, là, tous vos problèmes, c'est la France. Oui, c'est la France. Répétez ça. Répétez ça. Pour les Kenyans, c'est aussi. Les Chinois. Nous sommes dans les débuts de solution. Vous êtes encore en train de contester. On dit, mais quittez notre maison. Maintenant, ce que vous nous reprochez à l'Afrique, l'Afrique veut prendre son destin entre ses mains. Et tu dis encore le contraire. C'est-à-dire, tu caches au sol et tu l'avales. Moi, je dis tout simplement qu'il y a un problème, début de solution au problème. Les Africains disent, mais la France n'a qu'à rester. Pourquoi elle doit susciter la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Hein. Ils sont les Africains. Oui, c'est légal, fait partie de l'Afrique. Ils n'ont jamais chassé la France. Donc arrêtez de dire les Africains. Donc pourquoi est-ce que vous comparez la France? Vous êtes un démagogue. Les Africains, c'est vous plutôt les démagogues. C'est toi qui vends les Africains. C'est ça. On peut dire que. Avec la France, il y a eu la colonisation, avec les Occidentaux, il y a eu l'esclavage, ainsi de suite. Mais regardez, est-ce qu'aujourd'hui, la France nous pille encore? Oui. Elle nous pille. Moi, je dis, la nouvelle forme de colonialisme dont on parle souvent, c'est-à-dire le néocolonialisme, c'est l'Africain même qui s'offre gratuitement à la France. Oui. Qui s'en va rechercher des financements. Mais une seconde. Non. Vous voyez, moi, je vais vous donner juste un chiffre. Oui, l'Afrique ne va pas chercher. Attendez, une seconde. Parce que vous acceptez le PPTE. S'il vous plaît. Oui. Regardez, quand vous voyez par exemple au Togo, vous voyez combien d'écoles nous avons au Togo qui ont le système français. Attendez une seconde. Quand vous voyez, est-ce que vous savez le nombre de combien de bacheliers qui ont le bac français et qui vont en France chaque année? Déjà créer notre système. En Côte d'Ivoire, il y a chaque année plus de 500 bacheliers français, c'est-à-dire 500 bacheliers ivoiriens qui ont le bac français et qui vont en France étudier
Ça veut dire, mais là, avant que chaque étudiant ou chaque jeune bachelier se déplace, il doit avoir 5 millions dans sa poche. Et ces 5 millions-là, il le dépense en France. Oui. Maintenant, mais c'est dans tous les pays africains, c'est comme ça. Ça veut dire, quand vous voyez, vous faites 500 fois 5 millions, c'est plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Que qui sort d'un pays africain pour aller en France gratuitement. Oui. Maintenant, le drame, c'est que l'enfant africain, lorsqu'il finit ses études, il dit, il ne rentre pas. Et il sert la France. Ça veut dire en réalité, la France ne nous pille plus trop, mais c'est nous-mêmes qui nous offrons à la France, tout d'abord en termes de ressources humaines, tout d'abord, ensuite en termes de ressources financières. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'euros qui quittent l'Afrique volontairement, qui vont à la France chaque année. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui vient piller, c'est la France, mais c'est les Africains eux-mêmes qui envoient la France. Et j'ai déjà donné un exemple ici. Il y a un ami. Il y a un ami qui est allé en France. On doit parler du Togo. Oui, il y a un ami qui est allé en France. Il dit, ces dernières années, la France a revu sa politique de construction de logements. Parce qu'il y a une vague d'étudiants africains. C'est la France qui les attire. Qui amène les produits. Donc, arrêtez. Le problème, c'est l'Afrique et non la France. C'est la France. On va parler. On va dire un mot sur le Togo. Et surtout sur la déclaration des biens où trois greffiers assesseurs prête serment. Alors, cette déclaration des biens, elle sera bientôt effective. Oui, mais 30 secondes quand même. Allez-y. Vous savez, j'aime bien M. Prosper Agboukoulou, qui est un grand panafricain. Je l'aime bien aussi. Vous savez, pur panafricain. Il a porté un jean de marque Deep. J'aimerais bien le voir en tissu africain, s'il prend le panafricanisme. Ça montre, c'est de marque Rolex. Ce n'est pas fabriqué en Afrique. Mais la chemise, c'est dans un tissu qui n'est pas fabriqué. Ce qu'il faut dire, c'est à partir de moment cohérent par rapport à nous-mêmes. Si nous n'arrivons pas à produire ce que nous portons, nous importons ça, bon. Bon, allons sur la déclaration des biens. Ce qu'on peut dire. Solution. Il ne dit pas les solutions. On va organiser une émission spéciale, ne vous inquiétez pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, la déclaration des biens fait partie un peu de ce qu'on appelle la transparence. La transparence dans la gestion pour éviter l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite des gens qui, une fois, n'est-ce pas, au pouvoir, sont tentés. D'abuser, de procéder à des détournements de deniers publics pour s'enrichir. Et donc, l'avantage de la déclaration des biens, c'est qu'à l'entrée, c'est-à-dire à la prise de service, et puis après, vous déclarez. Et entre les deux, on essaie de voir si la fluctuation de votre patrimoine est suspecte. C'est-à-dire, je dis du n'importe quoi, si au cours de votre mandat comme rémunération, vous avez perçu 100 000 et qu'on remarque que votre patrimoine s'est accru à hauteur de 5 millions, mais naturellement, on va savoir que c'est louche. On va se demander où est-ce qu'il va falloir que vous prouviez, n'est-ce pas, l'origine de cette richesse. Mais ceci dit, il faut que l'on évite de tomber dans l'amalgame entre la déclaration des biens et la publication des biens. Parce que beaucoup de gens sont dans ce voyeurisme. Ils espèrent qu'on va afficher la liste des biens de telle personnalité, de telle personnalité. Non, ce ne sera pas le cas. La déclaration des biens n'est pas synonyme de la publication des biens. La déclaration des biens se fait au niveau de la médiatrice de la République et ceci est gardé au secret. Oui, c'est gardé au secret, vous déclarez les biens. Donc, ce ne sera pas un des états que nous, les citoyens, nous allons pouvoir consulter pour exposer la vie privée des gens. Parce que vous savez, il y a des problèmes de succession, des problèmes de sécurité personnelle pour les gens eux-mêmes. Quand vos ayants droit, bien des gens savent que vous disposez de tel patrimoine, là, votre vie est en danger. Donc, naturellement, il faut protéger à la fois cette personne-là, il faut en même temps s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de position économique illégale pour s'enrichir au détriment du développement du pays. Alors, Prosper Agboukoulou, vous aussi, votre regard sur non seulement la déclaration des biens, mais surtout sur les trois greffiers et les quatre assesseurs qui prêtent serment. Non, c'est tout à fait dans le droit dont on parle souvent. Vous savez,
tout ce que nous faisons ici, nous l'avons hérité de quelque part. De la France. La déclaration des biens, c'est déjà, c'est dans la Constitution. En 92, on en avait déjà parlé, à l'entrée en fonction et à la fin. Sauf que, bon, ça a été tout simplement dans la parole. L'acte n'avait pas suivi. Bon, il y a certains ministres, certaines personnalités de l'État qui ont déjà fait un certain nombre d'années. Moi, c'est la question que je me suis posée. Vont-ils retourner par rapport au début, avant qu'ils n'entrent en fonction, ou c'est à partir de maintenant? C'est ce que je n'ai pas compris. La loi dispose pour l'avenir. Bon, je crois quand même que si c'est comme ça, on a pris trop de retard là-dessus, parce qu'on en a trop parlé. Moi, je ne mets pas en doute la fortune de qui que ce soit, parce que je n'en ai pas la capacité. Je ne peux pas savoir X ministre, X personnalité, quand il entrait en fonction, il avait combien il avait, combien il a maintenant. Je ne suis pas dans cette conjecture-là. Je ne veux pas analyser dans ce Vous sens. Vous n'êtes pas dans ça au Togo. Au Togo, c'est ça, non? Je crois que c'est un respect vis-à-vis donc, du citoyen que de pouvoir... initier ces recommandations-là, de les faire. Et quand on a nommé des greffiers et autres, là, c'est juridiquement ce qui doit se faire. Et on est dans le respect de la Constitution. Maintenant, il va falloir, celle que nous avons, il va falloir maintenant que des garanties soient faites à ce moment où, lorsque quelqu'un est nommé à un poste qui s'exécute, afin que l'on reste dans la légalité. Sinon, c'est vrai, on peut se réjouir du fait, comme Sana l'a dit, moi non plus, je ne serais pas d'accord qu'on me dise que X a tel. Ça va susciter des convoitises. Voilà. Moi-même qui suis ici, je peux le convoiter parce que je n'en ai pas. Je peux du jour au lendemain aller vers lui pour dire, mais tu es assis, tu peux, ça peut créer des désordres au niveau social. Donc pour ça, nous sommes d'accord qu'il faut la quiétude, la paix, parce que quels que soient les milliards amassés par X ou Y, un jour, tu les laisseras partir. Donc on a besoin de savoir. Maintenant, il faut rester dans la légalité. Moi, tout simplement, ce que je dis, qu'on le fasse, et que les secrets, comme ça on l'a dit, d'État ou individuels ne sortent pas. Que au niveau, dans les alentours donc de la médiatrice de la République, qui est des gens sérieux qui travaillent avec elle, que ces greffiers et hommes de loi nommés soient dans la promptitude, la légalité, parce que s'il y a un secret qu'il faut garder, que ces documents-là soient protégés, pour que demain, on ne lise pas dans un journal, sur un site, que M. Is possède tel ici. Et ceci, on l'a vu avec l'ancien, comment on appelle, de l'OTR qui avait distribué l'argent au moment d'un mariage, qui lui aurait... Bon, on ne va pas donner son nom. Voilà. J'ai le nom, mais je ne vais pas vous filer ça. Alors, affirmer Teko Agbo, ces trois greffiers et les quatre assesseurs sont nommés comment? C'est juste une question. C'est-à-dire, s'ils sont nommés comment? Ils sont nommés comment? Par le président de la République ou bien... Non, les greffiers ne sont pas nommés par le président de la République. C'est-à-dire pour assurer cette tâche, précisément. Je comprends pas la question. Il veut savoir le processus qui a abouti à leur prestation de serment. Comment ils ont été sélectionnés. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire, la procédure, c'est comment ils ont fait pour prêter serment, c'est ça? Non, moi, je pense que... Le choix du greffier. Voilà. Non, c'est vous faites l'ENA, en réalité, vous faites le droit. Non, vous faites l'ENA, 2 ans, ou tout ça. Il y a un concours qui est lancé souvent. C'est-à-dire, il veut parler du fait, de la manière dont le choix a été porté sur eux. Pour venir prêter serment. Voilà, d'accord. Ah non, à ce niveau, moi, je n'ai pas trop d'informations. Peut-être Sana va nous aider. Mais vous savez, j'ai été... très intéressé par le développement des zones de Prosper et de Sana Sadio par rapport à la publication de biens. Sana a fait une démonstration formidable en mettant la nuance entre déclaration
et publication. Ce qui est au Togo, c'est que on confond les choses. On croit que quand on déclare, donc on doit avoir sur les sites, sur les réseaux sociaux, X ministre a 2 milliards, tel avion, tel jet privé et tout ça. Et donc, Prosper a parlé de phénomène social, paix et tout ça, de petits conflits. En réalité, ce qui nous embête au Togo, c'est nos comportements. Nos comportements, c'est-à-dire on est tellement aigri, où il y a tellement d'émotions dans tout ce que nous faisons, dans nos raisonnements. Et quand on voit des choses comme ça, on peut sauter dessus et puis régler des comptes. Et donc, le fait que l'autorité ne soit pas trop intéressée par la publication des biens, moi, je pense que le premier avantage qu'on peut en tirer, c'est la sécurité. Ça protège l'individu, ça protège ceux qui travaillent pour la République surtout. Ça protège les ministres parce que ceux-là qui travaillent pour la République, vous savez, être ministre, ce n'est pas facile. Hein. Les gens ne vont pas se lever très tôt et aller servir la République. Et après, du jour au lendemain, peut-être pour quelque petite erreur que ce soit, vous vous jetez sur eux, on vous dit des choses comme ça. Et c'est la même chose que les gens attendent de Aplusia. Les gens attendent que Aplusia vienne publier les noms, que tel ministre a détourné, que tel. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas trop bien. Parce que ceux-là aussi ont des familles. Ils ont des familles qui ont des amis, ainsi de suite. Donc, quand un ministre. Ils sont présumés innocents. Et ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents, donc il faut protéger. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop d'accord avec la méthode Ford, où les gens veulent qu'on dénonce les corrupteurs et qu'on les montre à la télévision et qu'on les envoie en prison. Ce n'est pas une bonne chose. Mais la deuxième chose que je voudrais faire, observer, j'ai l'impression que... ce n'est pas une impression. Je remarque que cette histoire de déclaration des biens est tellement importante pour le gouvernement ou le président de la République. Et ou encore, je vais aller loin, plus loin, pour parler de transparence. C'est comme le président de la République, il s'attache beaucoup plus à... Il s'attache tellement à la transparence ces derniers temps. Première chose. Il a remarqué quelque chose. Regardez, si vous avez parlé de la Cour des comptes ici. Il y a un challenge account. Hein. Peut-être il y a ça aussi. Regardez par exemple la Cour des comptes. Avec la publication du rapport Covid, en réalité, rien n'obligeait le président de la République à faire publier le rapport. Parce que quand on fait le rapport, on le dépose sur la table du président de la République. C'est comme ça dans tous les pays. Et c'est le président de la République qui dit OK, après l'observation, il dit OK, vous pouvez publier. Mais rien n'obligeait le président de la République à faire publier le rapport. Donc le fait qu'on l'ait publié, c'est une marque de transparence. Reddition des comptes. Oui, la reddition des comptes. C'est une valeur de la République, c'est une valeur de la démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, souvent, il y a la reddition des comptes, il y a la transparence et la culture des résultats. Donc, on peut publier, on peut avoir des choses derrière. Regardez, vous avez ouais, comment... C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Il peut avoir des choses dedans. Oui, mais regardez, la publication. Moi, je parle de... Regardez, quand vous voyez même... le contenu du rapport, la manière dont tous la presse s'est jetée sur le rapport parce qu'il y avait du contenu qui ne répondait pas. Je me dis, le pouvoir, ou le chef de l'État, pouvait dire, ne publie pas le rapport, on protège les ministres. Mais le fait qu'on l'ait publié, c'est un acte de transparence. Et les députés... Les ministres ont profité pour... Pour justifier devant l'Assemblée nationale. On pouvait ne pas aller. Et regarde, n'oubliez pas. Ce sont les ministres même qui ont demandé d'aller devant les députés. Ça, c'est un acte fort. Donc, c'est la transparence. Regardez encore. Sur l'écran, nous lisons trois greffiers et assesseurs. Greffiers, c'est la justice. Le président de la Cour suprême, ces derniers temps, parle beaucoup de quoi? De corruption. Et beaucoup commencent avec la justice. Ça veut dire que ce que le président de la Cour suprême est en train de dire, ça parvient au président de la République. Et il veut corriger quelque chose cela. Mais quoi qu'on puisse reprocher au président de la République, moi je pense que ça là, c'est un œil de transparence qu'on veut afficher aux yeux du monde. Quand le président de la Cour suprême avait dénoncé tout ce qu'il y a comme corruption au niveau de la justice, et quand il dit aussi que la corruption est le deuxième sport le plus pratiqué au Togo, et quand on commence... Avec cette déclaration de biens, en parlant des greffiers qui prêtent serment, mais je me dis qu'en réalité, le pouvoir de Togolais veut se montrer beaucoup plus transparent. À ce niveau, on ne peut qu'accompagner et demander à ce que ça se poursuive et que la dynamique de transparence soit maintenue. C'est une mesure de situation également. Voilà. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du centre de recherche
et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Sana Veuel, Komlan Sadio et tout. Merci également à vous. Vous êtes analyste économique et sociopolitique. C'est moi qui vous remercie. Prosper Agboklou, journaliste, analyste politique infini. Merci à vous également. Merci à nos chers amis toujours branchés. Merci infini à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Thank you.